je suis quand même très content de la victoire aujourd'hui. On sait qu'on est un petit peu dans le dur depuis 2-3 semaines. Le match de Munster nous a fait du mal quand même physiquement parce qu'on a des joueurs qui n'ont pas rejoué depuis. Kanté Poni, Sébastien Bruno, Joe Van Nicker. On est un petit peu en difficulté, mais il faut savoir gagner les matchs quand tu es dans le dur. C'est ce qu'on fait actuellement. La Rochelle, celui-là. Après, il nous manque un peu aussi de fraîcheur physique, il nous manque un peu d'être efficace. On a 2-3 occasions en première mi-temps, on peut mener 3 essais à 0, on ne le fait pas. Les Brivis viennent, ils ont une occasion. Ils viennent une fois dans tes 22 mètres en deuxième mi-temps, un petit jeu au pied, une erreur de placement et tu prends un essai. Mais bon, on a des vertus, 16-16 contre le vent, on revient, on marque 6 points, on gagne le match. On est en compétition toujours pour finir dans les 6 premiers. Le match de la semaine prochaine à Agen sera important, mais bon, je pense qu'on aura pas mal de bonnes nouvelles, pas mal de joueurs qui vont revenir. Puis bon, après, je suis content. Le jeune Barthélémy est rentré, a été très intéressant. Benjamin Lapeyre, buteur numéro 1 aujourd'hui. À Mayol, c'est pas évident, a bien buté, il en a loupé une. Il y a des choses positives. Fabien Cibré, qui n'avait pas joué depuis 4 mois et demi, 5 mois, qui s'était blessé contre Brive, revient avec un mois et demi d'avance. Mais après, voilà, après il nous manque un petit peu cette flamme. Aujourd'hui, avant le match, j'aurais signé pour les 4 points. On prend 4 points, on n'a pas de blessés. Et donc maintenant, on va bien se concentrer sur Agen.